Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Écoutez bien, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de El Elyon te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, dans cette histoire-ci, Joseph n'a rien à faire. Joseph est écarté. Il est mis en dehors de la scène. Il dit, voici comment cet enfant viendra. Le Saint-Esprit viendra. Il te couvrira. Le produit qui sortira de ton sein sera appelé Fils du Très-Haut. C'est-à-dire, quand Jésus sort du ventre de Marie, il avait un sang divin. Le sang protégé du péché adamique. Le sang épargné de toutes sortes de tentations, de blocages, d'envoûtements, de possessions mises à part. Dis, voici comment ça va se passer. Tu vas tomber enceinte tout à l'heure. Mais voici comment. Le Saint-Esprit viendra. Il va te couvrir de sa puissance et de son ombre. Et là, dans cette couverture de Ha Shekinah, il y aura des choses qui vont commencer à se passer pendant que tu seras couverte. Toi, Marie, tu seras comme la tante d'assignation. Et pendant ce temps, quelque chose où la gloire descendra. Et cette gloire va engendrer quelque chose. Elle va produire un être céleste sur la terre. Mamama nananaria, kinda sorakabakarasa. Depuis ce jour-là, tous les oints qui viennent du ciel, ils ont l'adresse biologique, mais ils ne portent pas le sang de leurs parents. Sinon, ils seraient incapables d'impacter leurs frères, d'influencer leurs sœurs. S'ils avaient le même sang que toi, le sang lambda, ils parleront, mais le ciel n'apprendra rien. Ils vont opérer, mais dans le vide. Mais parce qu'en eux, ils portent un sang. Wouh! Voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je suis ici pour te dire, cette situation que tu traverses, attendez ce moment pour que Dieu se glorifie par elle. Dieu va se glorifier quand tu vas tomber enceinte des paroles que je dis. Dieu va te glorifier quand tu seras guéri des maladies incurables par la parole qui sort de ma bouche. Dieu va se glorifier quand tu atteindras un niveau. Pendant ce chapitre, tu auras une gratification. Dieu est merveilleux, hein?
dans la tombe, 4 jours, sans possibilité de croire en Dieu. Il n'avait plus de foi parce qu'il était dans la tombe. S'il était malade, Jésus allait lui poser la question, crois-tu au Fils de Dieu? Ce n'était plus le cas, le monsieur mourait. Où est la foi? Il n'y en avait plus. Mais il restait une chose, les cris du sang, les cris du sang, les cris du sang, les cris du sang. Et c'est ce même cri que je vais lâcher à partir de cette semaine sur toi. Le cri du sang vivant va frémir jusqu'à faire agir ton sang, car le sang c'est la vie. Pour que Lazare revienne à la vie, il fallait le sang dans ses veines. J'entends quelqu'un dire, le cri du sang lance un cri retentissant. Encore, encore.